Elisabet Garvey, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonne année. Et à vous et votre famille aussi, monsieur le président. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur, comme toujours. Merci beaucoup pour la possibilité. C'est une deuxième visite que j'ai. Pour moi, c'était l'opportunité de discuter un peu l'économie parce que, comme vous le savez, l'année dernière était très difficile. Il y avait des reverses chez nous et aussi en Afrique. C'était mon idée de recommencer les efforts pour encourager les investissements américains, mais aussi les exports camerounais aux États-Unis. Il y a beaucoup à faire, bien sûr, mais je crois maintenant, parce que tous les signaux sont que les économies commencent d'agrandir encore, c'est le moment de commencer, parce que si nous attendons encore une année, c'est trop long. Nous avons discuté un peu le programme AGO et comment le Cameroun peut utiliser ça, parce que, comme peut-être vous le savez, il y a des autres pays ici en Afrique qui ont profité de AGO un peu plus que le Cameroun. Et j'ai dit au président que nous avons le plan d'ouvrir un bureau à Douala pour aider les compagnies camerounaises pour vendre le produit chez nous aux États-Unis. Pour les investissements américains, il y a plusieurs qui sont ici. Comme chaque investissement a des problèmes, nous avons discuté comment on peut pousser un peu le progrès de tous les projets.